Bonjour, je m'appelle Fanélie Roisa, j'ai 42 ans, je suis adjointe de la directrice chez Vasi, je suis head coach pour aider les animateurs, je fais du site fond avec le spécial olympique mondial en Russie. D'accord, et le matin, tu participes à quelle activité? Le samedi matin, je fais de la natation. Et l'après-midi, du basket. Les jeunes de Vasi qui participent au sport. Ouais. De la marche, oui. De la natation, du basket. D'accord. Et de la danse si quelques jeunes qui ne veulent pas marcher. D'accord. Mes copains, il y a Grégory, il y a Abdel, Alger, Laetitia, Stéphanie, tout le monde. Donc toutes ces personnes ont participé. Qui ont participé aux Jeux mondiaux spéciaux olympiques à Abu Dhabi. Ah d'accord, en 2019 c'est ça? En 2019. D'accord, et vous êtes partie à combien? Nous sommes partis... Une équipe de basket fille? Fille. Et une équipe de basket garçon? Normalement 10. Chacun? Chacun. Chaque équipe, ouais. Ah, c'était bien. Ok. Et pendant l'année, donc, vous participez à toutes les activités qui sont présentées. Tous les samedis. Bonjour Fanélie. Bonjour Marie. Ça va? Oui, ça va Marie. Merci d'avoir présenté Vasi. Donc Vasi, effectivement, c'est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique en 2008. On a été vraiment... abasourdi et puis très très fier d'avoir cette reconnaissance d'utilité publique, surtout que nous ne faisons pas partie de fédération. Donc on a créé Vasi en 1993. C'était l'idée de trois copines qui avions envie à l'époque de pouvoir partager nos loisirs avec des personnes en situation de handicap. Et voilà, aujourd'hui il y a plus de 150 personnes qui suivent nos activités, hors période de Covid bien sûr. Dans la période de Covid, pendant un an, on n'a fait que des activités de visio, etc. C'était très, très compliqué. La visio, moi, j'en ai personnellement ras-le-bol parce que c'est très, très compliqué d'approcher les personnes sur écran. C'est vrai qu'on a un public qui est fabuleux. Je fais le plus beau métier du monde. Voilà, et grâce à Fanélie, ben on a pu effectivement dépasser nos frontières à travers le sport, puisqu'on a eu la chance de pouvoir vivre des Jeux mondiaux spécial olympiques à travers le monde entier. Fanélie est partie en Corée, elle a gagné une médaille d'or en ski de fond déjà. Il y a de cela plus de 12 ans. Et puis après, on a réussi à avoir des sélections pour partir en Autriche. Puis à Los Angeles. Là, à Los Angeles, on a rencontré Madame Obama. Elle était à 10 mètres de nous. Oh, c'était merveilleux. J'en ai encore des frissons. C'est quelque chose de fabuleux. Et... après, on a eu effectivement la chance de pouvoir monter deux équipes de basket, une féminine, une masculine. Et nous étions 30 de Lyon à partir pour vivre les Jeux mondiaux spécial olympiques à Abu Dhabi en mars 2019. Tu te rappelles? Oui, c'était fabuleux. C'était le rêve. Voilà, et du coup... voilà, donc merci de nous accueillir aujourd'hui. On a tellement de choses à vous raconter que bon, maintenant on va vous dire que ben effectivement vous pouvez nous aider aussi si vous le souhaitez à faire que cette association Vasi puisse continuer ses activités. Donc on n'a plus de local. Et bah effectivement, on n'avait plus les moyens de payer, tout simplement. Donc, on a eu l'idée de pouvoir monter un nouveau challenge en achetant un véhicule électrique 9 places.
On a fait beaucoup, beaucoup de démarches, mais là, je pense qu'on a trouvé pas mal de gens qui sont susceptibles de pouvoir nous aider. Et on va laisser Laure vous présenter notre projet. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. C'était important que Fanélie puisse raconter tout ça avec moi. Et voilà. Merci à vous. Merci. Au revoir Au revoir. et bonne réunion.